Roselyne Bachelot de retour dans les médias. L'ancienne ministre de la Santé et des Sports, puis des Solidarités et de la Cohésion sociale, sous Nicolas Sarkozy, a retrouvé un ministère, celui de la Culture, sous Emmanuel Macron, entre 2020 et 2022. Malheureusement, elle a bien eu du mal à faire ses preuves, en raison notamment de la crise sanitaire mais aussi du manque de confiance que lui a accordé le milieu. Mais après cette parenthèse, Roselyne Bachelot s'apprête à retrouver un milieu qu'elle connaît aussi très bien, celui des médias. En effet, l'ancienne ministre a fait ses premiers pas dans l'émission Le Grand 8 sur D8, en tant que chroniqueuse, entre 2012 et 2016, avant de prendre la direction de la radio où elle était à la tête de son propre talk show sur RMC, 100% Bachelot. Roselyne Bachelot a ensuite été une intervenante régulière dans plusieurs émissions de LCI entre 2017 et 2020, et a réussi à se faire une place dans les grosses têtes sur RTL, entre 2015 et 2020. Une émission qu'elle s'apprête d'ailleurs à retrouver à la rentrée prochaine, comme l'avait révélé le programmateur de l'émission en juin dernier. Roselyne Bachelot, je me réjouis de vous retrouver à la rentrée, mais Roselyne Bachelot débarquera également sur une autre chaîne en août prochain. Ce vendredi 22 juillet, elle a en effet annoncé qu'elle va bientôt rejoindre une autre chaîne d'information en continu, après avoir obtenu le feu vert d'une instance importante. La Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique a autorisé mes activités sur BFM TV et RTL. Je me réjouis de vous retrouver à la rentrée et pas seulement sur les grosses têtes, a-t-elle écrit. Une annonce qui a réjoui le patron de la rédaction de BFM TV, Marc-Olivier Fogiel, qui n'a pas manqué de féliciter sa future collaboratrice. L'animateur Maxime Switek a lui aussi fait part de son immense bonheur, d'autant que Roselyne Bachelot intégrera son équipe, comme il l'a confirmé dans un tweet en réponse à l'ancienne ministre. Ah, bienvenue Roselyne. Joie et bonheur de passer une partie de mes soirées avec vous. Rendez-vous le 22 août pour le retour de 22h max. Avec une toute nouvelle équipe. A écrit le journaliste. J'ai hâte, a rapidement répondu l'ancienne élue de droite. Dans 22h max, Maxime Switek et ses invités font le tour des images marquantes et des déclarations fortes de la journée. Nul doute que Roselyne Bachelot parviendra rapidement à trouver sa place dans l'équipe.